Mesdames et messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, madame la présidente de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale ou représentant, monsieur le chef d'état-major général des armées, monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire ou représentant, monsieur l'inspecteur général des forces armées, monsieur les chefs des états-majors des armées, des terres, air et mer, messieurs les directeurs généraux de la police, de la protection civile, des douanes et du corps des conservateurs de la nature, officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang, mesdames et messieurs, tout protocole observé. Le triste événement qui nous réunit ce matin est la cérémonie funèbre du général de corps à la retraite, Mamadou Bakoto Camara, ancien ministre. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, tout à l'heure, monsieur le président de l'Assemblée nationale, Excellences, monsieur le Premier ministre par intérim, chères autorités civiles et militaires, parents du défunt, mesdames et messieurs ici présents, voici le programme de cette cérémonie funèbre. Tout à l'heure, nous aurons la lecture de l'oraison funèbre. Cette étape sera suivie des témoignages des frères d'armes, compagnons, amis et parents du défunt. Ensuite, le recueillement dans l'ordre suivant. Autorités civiles et militaires, parents, amis et proches. Enfin, le départ de la dépouille mortelle pour la mosquée Kébéa, suivi de l'enterrement au cimetière de Kamboul. Avec votre permission, chères autorités, nous invitons le chargé des ressources humaines pour la lecture de l'oraison funèbre. Mamadou N. Camara dit Toto, matricule 1581G à la retraite n'est plus. Né en 1946 à Conakry, fils de feu Demba et de feu Hawa Camara. Incorporé dans les forces armées guinéennes au compté du 3 avril 1964 comme engagé volontaire pour 5 ans par devant la commission de recrutement de Conakry. Arrivé au corps et soldat de deuxième classe le 10 jours, et mis en substance complète au centre d'instruction d'infanterie de Cancan pour faire la formation commune de base. La formation commune de base terminée est affectée au bataillon spécial de Conakry DSC
au compteur du 1er octobre 1964. Du BSC est désigné pour un stage en Russie pour suivre les cours d'application de matériel. Nommé au grade sergent en classe à l'échelon indiciaire du SOP, numéro de référence décision numéro 329, APS, cap du 28 mai 1966. Stage terminé, obtient son diplôme d'ingénieur en mécanique auto en 1968. Nommé au grade adjudant, au compteur du 1er décembre 1971, référence arrêté numéro 032, FP, du 18 novembre 1971. Désigné pour suivre les cours d'exploitation des troupes blindées en Ukraine en 1972. Du BSC est affecté au bataillon autonome d'artillerie en 1976. Nommé au grade adjudant-chef, au compteur du 28 septembre 1977, référence arrêté numéro 884, MT du 15 septembre 1977. Du bataillon autonome d'artillerie est affecté au bataillon du quartier général en 1978. Du bataillon du quartier général est affecté à l'école militaire interarmée au BSC au compteur du 1er mai 1980, référence note de service 166 MDM du 29 août 1980. Promu au grade de sous-lieutenant au compteur du 1er mars 1982, référence décret numéro 104 PRG du 4 mars 1982. De 1982 à 1983, est nommé chef de service technique du bataillon spécial des blindés. Promu au grade de lieutenant au compteur du 1er avril 1984, référence décret numéro 014 PRG du 18 avril 1984. De 1984 à 1985, nommé commandant adjoint du bureau opérationnel à l'état-major général des armées. Désigné pour suivre les cours d'état-major en France en 1986. Promu au grade capitaine au compteur du 1er juin 1989, référence décret numéro 124 PRG SGG du 30 juin 1989. Et nommé directeur de l'école militaire interarmée EMIA en 1991. Désigné pour l'école de guerre en France en 1993. Promu au grade de commandant au compteur du 2 octobre 1995, référence décret numéro 264 PRG SGG du 29 septembre 1995. De 1995 à 1996, est nommé chef de cabinet du ministère de la Défense nationale. De 1996-1998, est nommé commandant des 4e et 5e contingent guinéen au Libéria au sein de l'Égonon. En 2000, est nommé commandant du bataillon du quartier général. En 2001, est nommé commandant du bataillon autonome de Guékéri. Promu au grade de lieutenant-colonel au compteur du 1er avril 2002, référence décret numéro 033 PRG SGG du 29 mars 2002. En 2004, est nommé chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. Promu à titre exceptionnel au grade colonel au compteur du 1er octobre 2003, référence décret numéro 076 PRG SGG du 1er octobre 2003, et nommé conseiller à l'état-major général des armées en 2005, et nommé attaché de défense près de l'ambassade de Guinée à Washington, USA en 2006, et nommé chef d'état-major de l'armée de terre en 2008, élevé au grade de général de brigade au compteur du 1er novembre 2008, élevé au grade de général de division en 2009, et nommé ministre de la Sécurité de la Procession civile en 2009, élevé à titre exceptionnel au grade de général de corps d'armée au compteur du 1er septembre 2010, référence décret numéro 146 PRG CNDD SGG PRG 2010, admis à faire valoir son droit à la retraite pour limite d'âge et ancienneté de service. Au compteur du 31 décembre 2011, référence décret numéro 212, PRG MDM 4 2011. Nommé ministre d'État, ministre de la Défense, de la Sécurité et de la Protection civile en 2012. Général de corps d'armée Mohamed N. Camara est décédé le lundi 23 août 2021, laissant derrière lui deux veuves et deux enfants. Le général de corps d'armée Mohamed N. Camara, tes parents, tes amis, en un mot, tous ceux qui t'ont connu, avec lesquels tu as eu à côtoyer,
Charité, Anthony, à t'accompagner pour te rendre un dernier hommage mérité. Au nom du commandant en chef des forces armées, ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, chef d'état-major général des armées, chef d'état-major de l'armée de terre, le directeur général des ressources humaines, le directeur général de la pension militaire et ancien combattant, le patron du quartier général et tous tes compagnons d'armes, souhaite que la terre bénie de Guinée, que ta tante aimée et celle avec le développement et l'abnégation te soit légère, que ton âme repose en paix. J'ai trois enfants. Général Dodo, pour la petite histoire, c'est pas tout le monde qui connaît pourquoi on l'appelait Dodo. Recruté en 63, le 3 avril 63, on s'est retrouvés tous à Cancan. Et on avait comme formateur le feu général Momo Camara. C'est ce dernier qui a surnommé Toto ce jour-là. Pour la simple raison que notre gamin, alors à l'ordinaire, et mon doigt Toto, que ton âme repose en paix, quand il venait le premier, il ramassait tous les morceaux de viande, c'est-à-dire dans les gamelles. Pourquoi on l'a appelé Toto? Et pour la petite histoire, avant d'aller à l'Union soviétique, nous avons bénéficié tous ensemble d'une formation technique en Allemagne fédérale. En Allemagne fédérale, qui a suivi la création, n'est-ce pas, de l'UMC, les usines militaires de Conakry. C'est de là-bas qu'il y a eu dispatch. Ainsi, il s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans le contingent, n'est-ce pas, d'une formation à l'Union soviétique. Ça a dit. Pour terminer, au nom de mes camarades de classe, nous remercions tout d'abord le président de la République de Guinée, chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort, n'est-ce pas, pour venir en aide pour son évacuation, pour son traitement. Mais quand la vie finit, l'homme meurt. Mais depuis cet avènement, les membres du bureau, n'est-ce pas, du gouvernement a commencé, n'est-ce pas, par le ministre, le premier ministre par intérim, notre frère, notre ami Diané, et tous les membres de l'état-major général, corps confondu, n'ont cessé, n'est-ce pas, de tenir des visites au seuil, n'est-ce pas, de notre défense. Et je remercie au nom de tous mes camarades, en ces instants, très difficile pour moi de parler, mais de remercier tout le peuple de Guinée, les parents, les voisins, n'est-ce pas, de Savoya. Alors, pour terminer, comme le temps urge, je vais prier pour son repos et que la terre nous soit légère. Je prie Dieu, que Dieu unit tous les Guinéens. Dans le surat Anfal, Dieu a dit dans un verset, il dit que c'est lui qui unit les cœurs. Badaoum, bismillah, minashaitan rajim, bismillah, rahman, rahim. Il dit, wa Allah fa baina gulut, law anfa kitama fi lab jamina. Ma Allah fa baina gulut, walakin Allah. Allah fa baina gulut, azizim, hakim. Le hakim là, tous les Guinéens, que Dieu nous bénisse et qu'il nous préserve dans ce hakim. Alors, pour terminer, je vous prie tout le monde, ensemble, nous allons dire Al-Haya Fama, Al-Haya Fama, Al-Haya Fama, Al-Haya Ambiyala, Al-Haya Umfayala, Belu Mawati, Al-Barabana, Al-Dina, Fidunia, Azalata, Ufilaha, Azalata.
Marina Zabana, Ina Marmala, et Katusaruna, Ya, Yapesina, Mansa, Tassim, Suana, la Picara, et Isa, Amaïsfou, Wassalam, la Misadine, la Rubinilla, et la Binadine. Tout le monde a fait une manière, Je représente les enfants avant le représentant de la famille. La parole, ce n'est pas pour le plaisir, mais parce que l'occasion est bonne pour faire 4 témoignages. Le premier, au titre de citoyen général. Le deuxième, au titre de collaborateur. Le troisième, au titre d'intellectuel. Le quatrième, au titre de guinéen. Au titre de citoyen guinéen, je voudrais ici reconnaître la valeur, la force d'armée guinéenne et le rôle que le général Toto a joué en 2001. Les gens qui nous ont agressés à la frontière, côté de Kékédé. Son rôle a été capital. Je voudrais ici le souligner et remercier toute la famille guinéenne. Le deuxième témoignage, c'est en tant que collaborateur. J'étais Premier ministre dans ce gouvernement où il était le plus âgé avec les jeunes officiers. Je peux vous dire sur la foi de l'honneur que si nous avons traversé cette pirogue, dans tout le clash, c'est parce que Toto a su se maîtriser. Il a su se maîtriser. Il a su se mettre au-dessus des incompréhensions de ses jeunes frères. Il a su comprendre que la nation devait être au-dessus de tout. Il faut le reconnaître. Sans son acceptation d'un certain nombre de situations difficiles que d'autres n'auraient jamais supporté, il aurait eu beaucoup de difficultés et même des attaques. Je vous ai laissé témoigner et de remercier au nom du gouvernement que j'ai dirigé, mais surtout au nom du peuple guinéen, que nous avons pu conduire dans cette période difficile vers un certain âge. À titre d'intellectuel, je fais ici le témoignage que Toto est quelqu'un qui aimait absolument s'enrichir intellectuellement. Il recherchait tout qui était à lire. Il était quelqu'un qui était curieux. Il a entrepris d'écrire un livre. Il est passé me voir dans les 10 premiers mois, au moins 6, les 10 derniers mois de sa vie, au moins 6 fois. Il me disait qu'il avait presque fini de lire, d'écrire son livre, témoignage. Et j'ai demandé à sa famille de récupérer les manuscrits pour que ce soit publié, parce qu'il y tenait. Enfin, je témoigne en tant que musulman. Le prophète disait, et ça lui souvient, qu'il y a un certain nombre de noms de martyrs que Dieu agrée. Celui qui meurt de noyade, celui qui meurt par la peste. La peste, notre temps, c'est le corona. C'est cette maladie qui a emporté notre vie. Nous sommes fondés de dire que grâce à ceci et grâce à notre image que vous faites, Dieu acceptera notre frère au paradis. Pourquoi? Durant les réalisations de sa mort, le frère Lézé qui était là, il l'a appelé. Il lui dit, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Je voulais que lui, maintenant, venir réciter le Coran dans mes oreilles. Réciter certains versets dans mes oreilles si je ne peux plus les prononcer. C'est important que vous le sachiez. Autrement dit, c'est quelqu'un qui, après avoir passé toute cette vie, s'est dit, je veux retourner à mon créateur. En ce moment difficile, et d'autres peuvent le témoigner, sa femme peut le témoigner,
régulièrement on venait me réciter le Coran pendant qu'il ne pouvait plus parler. Je prie Dieu qu'il a donné cette inspiration, qu'il l'accueille dans son paradis. Je remercie le peuple de Guinée à travers cet amalgame, cet aéropage de gens libres, d'officiers, de militaires, de simples soldats, qui ont donné la preuve de l'unité de notre pays, que nous sommes tous unis dans le bonheur, mais pas dans le malheur. Je remercie tous ceux qui ont contribué, y compris le chef de l'État. Merci beaucoup. Très respectueusement, nous invitons Monsieur le ministre de l'Administration et du Territoire pour le message de gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur les ministres d'État, Monsieur les ministres, Monsieur le chef d'État-major général des armées, officiers, sous-officiers, commandants, Mesdames et Messieurs, les hauts cadres des départements ministériels, citoyennes et citoyens de Guinée ici présents, respectées familles éplorées, Mesdames et Messieurs, difficile mission que celle de prononcer un discours sur la dépouille mortelle du général Toto. L'oraison funèbre qui nous a été déroulée ici est suffisamment évocatrice du parcours de ce grand soldat de la nation. Vous vous doutez alors, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, Son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, en jouissance de ses congés, le Premier ministre, chef du gouvernement, en déplacement parce que endeuillé, le Premier ministre par intérim, tous joignent leur voix à celle du peuple de Guinée pour présenter à la famille éplorée leurs condoléances profondément attristées. Général Toto, nous l'avons connu sous les drapeaux. Ses camarades de promotion, la classe 63, la classe 64, fusionnés, ici présents, garderont, tout comme le reste des soldats de l'armée guinéenne qui l'ont approché, un souvenir vivant de la force morale de ce grand officier, de son engagement pour la nation, mais aussi et surtout pour cette bienveillance qu'il avait pour les uns et les autres. Général Toto a donc rempli le contrat qui était le sien avec son peuple. Nul doute. Après un tel bilan, que la juste récompense ne lui soit réservée par la puissance divine. Nous prions Dieu alors pour que l'âme du général Toto repose en paix. C'est aussi l'occasion pour le gouvernement guinéen d'en appeler encore une fois à l'esprit de compréhension de nos compatriotes. Nous sommes dans un contexte sanitaire difficile et fortement éprouvant. Nous sommes ici dans un centre hospitalier où bon nombre de nos compatriotes sont sous des respiratoires. Car nous n'oublions pas, la COVID est de plus en plus présente dans notre pays, avec son cortège de malheur. Les mesures sanitaires que M. le Président de la République prend souvent par forme de décret, sous forme de décret, doivent donc être respectées par chacun de nous. Mais vous vous rendez compte à l'évidence que nous sommes loin
de ce constat. Imaginez si nous n'étions pas dans un contexte sanitaire comme celui-là. C'est un grand symposium au Palais du Peuple qui aurait été réservé à la mémoire du général Toto. C'est pour cette raison que les uns et les autres, nous devons savoir raison garder quand les appels de la nation sont là pour le respect de mesures qui nous servent tous et qui nous desservent tous quand elles ne sont pas observées. Que l'âme de tout le monde repose en paix. Je vous remercie. Avant le règlement, nous demandons, nous sollicitons très respectueusement le ministre secrétaire général aux affaires religieuses pour la bénédiction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته واغفر له والجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالربانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود والقرون إلى سعة الدور والقصور في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.